C'est difficile d'imaginer notre foi chrétienne sans Marie. Impossible même. Marie est forcément reine parce que comme elle est présente dans la vie de Jésus qui annonce la proximité du royaume de Dieu, alors on peut l'appeler reine. Mais ce qui est le plus proche de notre cœur, c'est le titre de mère. Je trouve que c'est forcément le titre le plus beau qu'on peut donner à Marie. On rejoint l'interpellation de la petite Thérèse de l'enfant Jésus. Hein. Il faudrait montrer que Marie est bien plus mère que reine. Ce qui ne veut pas dire qu'elle ne soit pas reine, mais elle est bien plus mère que reine. Et là encore, il faut parler de sa royauté maternelle. Marie, c'est l'Église. C'est l'Église commençante. C'est l'Église en sa source, comme dit un très beau livre de Urs von Balthasar et Joseph Ratzinger. Le peuple d'Israël converge dans la foi de Marie, et la foi de Marie est le point de départ de la foi de l'Église. Marie, mère de l'Église, c'est déjà contenu dans les Saintes Écritures. Pourquoi ? Eh bien, parce que Marie étant mère de Jésus, elle est mère de la tête et du corps, c'est ce à quoi fait allusion saint Léon. Elle était présente le premier jour de la mission de Jésus sauveur sur la terre, le jour de l'Annonciation. Elle fait les premiers pas avec l'Église sur le chemin de la mission. Dès l'Annonciation, lorsqu'elle conçoit Jésus en son sein, elle met au monde la tête et le corps de son Fils, et le corps du Christ, c'est l'Église. Donc, nous sommes déjà tous portés en Jésus-Christ, hein, par son incarnation, dit le Concile Vatican II. Le Christ s'est en quelque sorte uni à tout homme. Tous, nous sommes membres du Christ, nous sommes membres de ce corps, et donc nous avons Marie pour mère. Il y a le deuxième temps, c'est le temps de la croix. Marie est présente au pied de la croix et elle entend son fils lui dire « Femme, voici ton fils ». Jésus est en train de mourir d'amour sur la croix, demande à Marie de prendre comme fils le disciple qui est là. C'est-à-dire, il lui demande d'accepter que son fils aîné, son premier-né, meure pour le salut du monde, et donc il lui demande de l'offrir. Et dans cette offrande, elle permet la naissance des enfants de Dieu que nous sommes, et donc elle en est la mère spirituellement. Au pied de la croix, elle reçoit ce titre, en certain sens, du Christ même. Elle devient la mère de tous les croyants. La mère du Christ total, lui la tête et nous le corps. Et donc, on peut bien dire que Marie, c'est la mère de l'Église. Nous sommes tous, en quelque sorte, les disciples bien-aimés du Seigneur. En confiant Saint Jean à sa mère, c'est tous ses disciples que Jésus confie à Marie. Et au pied de la croix, donc, Jésus nous désigne Marie comme étant notre mère, la mère de tous les fidèles, c'est-à-dire la mère de l'Église. L'Église existe si elle est au pied de la croix. C'est notre identité de l'Église. Et voilà, Marie au pied de la croix, c'est aussi l'image de cette fidélité, de l'authenticité, de sa mission. Il faut un peu distinguer le fait et le vocable. Que Marie soit mère de l'Église, qu'elle soit invoquée comme mère, c'est relativement ancien. Même si vous le savez, dans les premiers temps, et notamment au Moyen-Âge, où on fut si marial, c'est l'époque de Saint Bernard, chantre de Notre-Dame, c'est l'époque de Saint Thomas d'Aquin, le grand théologien. Tous ces gens-là n'invoquent guère la Vierge Marie comme mère. Ils l'invoquent précisément comme dame, comme souveraine, comme maîtresse, comme princesse, comme bien-aimée, beaucoup plus que comme mère. Et il faut attendre un peu de temps pour que Marie soit très spontanément invoquée comme mère. En revanche, le fait qu'elle soit mère de Jésus implique qu'elle soit mère de l'Église, bien sûr. Cela est déjà contenu dès le principe de la foi chrétienne. C'est un titre qui vient de très loin, parce qu'on le trouve déjà, cette réflexion, en saint Augustin, mais on le trouve aussi, par exemple, dans le bienheureux Isaac de l'Étoile, de l'abbaye de Pontigny, qui proclamait déjà lui-même, dans sa dévotion et dans ses discours, que la Vierge Marie, c'est la mère de l'Église. Isaac, abbé de l'Étoile, c'est une abbaye, donc fille de Pontigny, qui est située dans le diocèse de Poitiers.
Alors Isaac, c'est vrai que c'est un moine anglais d'origine qui est né en 1200, qu'on connaît peu et qui a pourtant une production mais extraordinaire, une production littéraire. Il a écrit un grand nombre de lettres, un grand nombre d'écrits, porteur aussi de grandes nouveautés. Dans le culte, par exemple, pour Marie, il a laissé sans doute plus d'écrits que Saint Bernard. Pontigny, il se trouve en Bourgogne, à 15 km au nord d'Auxerre. On est pratiquement, je crois, dans la plus grande abbatiale cistercienne qui reste en Europe. Clairvaux avait la même taille, elle a disparu. Comme toutes les abbatiales cisterciennes, elle est très dépouillée. C'est la pierre et c'est la lumière sur la pierre qui va lui donner sa beauté. Et s'il n'y a aucun décor, aucune couleur, c'est tout simplement parce que Saint Bernard le disait lui-même, mais vous les moines, vous avez vos livres. Vous n'avez pas besoin des images. Vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne en vous appuyant sur l'image. Tout est dans vos livres et dans la méditation, dans ce travail intérieur que vous aurez à faire. Cette dévotion particulière à Marie remonte pratiquement à l'origine du mouvement cistercien. Donc quand Robert de Molème fonde son premier monastère à Molème, il la consacre déjà à Marie. Et toutes les abbayes cisterciennes seront sous cette protection. Alors, avec une iconographie qui est un peu particulière. Qui représente donc cette Vierge avec son manteau ouvert. Et il y a des moines, un évêque qui sont à ses genoux. Elle ouvre un très large manteau et tous sont sous son manteau. Disons que c'est toute l'humanité qu'elle regarde. L'image de ce grand manteau maternel qui vient couvrir de sa miséricorde l'humanité rachetée. Tout un peuple qu'elle couvre de tendresse, qu'elle protège. Je pense aussi qu'elle encourage à aller de l'avant. C'est une belle image pour illustrer Marie, mère de l'Église. Le Concile Vatican II a fait une grande réflexion sur l'Église. Et avec le document, la constitution dogmatique Lumen Gentium, que c'est le grand texte sur l'Église, et les pères du Concile, ils ont ajouté un 8e chapitre à la constitution qui concerne l'Église, dédiée à la Vierge Marie. Donc, le Concile avait déjà lié Marie à l'Église comme image et figure de tout croyant, mais aussi comme image de la destinée de ce corps qui est le corps de l'Église et dans le Christ. C'était un moment très important pendant le Concile et dans le ministère pastoral de Paul VI. C'est que pour la première fois, un Concile a consacré un grand chapitre au mystère de Marie. Tout le chapitre 8 est consacré à la Vierge Marie et livre une admirable synthèse de théologie mariale telle qu'aucun autre concile n'en a fourni. Le concile qui parle le plus de la Vierge Marie et de très loin, c'est le Concile Vatican II. La question a été posée, est-ce qu'on peut dire qu'elle est mère de l'Église ? C'est resté en suspens. Cette expression n'est pas utilisée dans le Concile. Elle avait été jugée, pas assez attestée dans la tradition de l'Église, un peu sujette à caution. Elle était un peu réprouvée par les théologiens du Concile. Et c'est le pape Paul VI qui, motu proprio, de sa propre initiative, alors qu'il promulgue le 21 novembre, fête mariale, fête de la présentation de la Vierge Marie, la Constitution Lumen Gentium, consacre plus des deux tiers de son discours à la Vierge Marie et la proclame solennellement mère de l'Église. Quand Paul VI a voulu proclamer Marie mère de l'Église, il y a eu une sorte de non ou opposition de ce qu'on appelait autrefois le Saint-Office. Mais Paul VI, il va proclamer quand même Marie mère de l'Église. Et les observateurs qui étaient au Concile, et au tout début, sont restés un petit peu comme ça, je ne dis pas déçu, mais étonné. Mais à la fin, on sait que ce titre a été mieux compris. Saint Paul VI n'est pas né dans la ville même de Brescia, mais dans un village au nord de la ville, à Concesio, que à cette époque-là,
1897, c'était à la campagne. Et qu'on faisait pas mal de familles, comment on peut dire, importantes de la ville, aux bourgeoises ou de l'ancienne noblesse. Et pendant l'été, ils passaient les vacances à la campagne. Paul VI, je crois qu'il est arrivé aussi à sa dévotion mariale et à une purification de la dévotion mariale telle qu'il nous la donne avec la Marialis Cultus, aussi à travers son expérience qu'il a vécue dans sa jeunesse, et ici, dans cette ville où il a grandi, où il est devenu prêtre, avant de quitter le diocèse pour un service dans l'Église à Rome et dans l'Église universelle. La maison de sa famille où il habitait, où il a grandi, c'est juste de l'autre côté de la route du sanctuaire. De Santa Maria delle Grazie. Donc, il venait assez souvent toute seule et avec sa famille à visiter, à prier, à rester longtemps à la messe dans ce sanctuaire. Et souvent, il a respiré quelque chose de très marial. Aussi avec l'aide des prêtres assez importants qui ont marqué Paul VI dans sa jeunesse. Ils ont donné des éléments de réflexion et assez très ouverts pour l'époque au jeune Jean-Baptiste Montini. Tout cela, je crois qu'il a pu le travailler dans sa vie, le mieux comprendre et de le nous donner et bien exprimé dans ce titre de Marie, Mère de l'Église, qu'il a donné à l'Église dans son pontificat. Nous nous trouvons dans le sanctuaire de Santa Maria delle Grazie, et justement en face, à l'hôtel où Paul VI a célébré sa première messe. Il n'a pas fait comme habituellement font les jeunes prêtres qui vont célébrer leur messe dans la paroisse. Il dira plus tard que, en allant et en revenant de la maison au sanctuaire, il a mûri sa vocation à la prêtrise. Donc, il était très lié à ce sanctuaire et il a choisi de célébrer ici, à cet hôtel, la première messe. Le fresque qu'on trouve en haut de l'hôtel, c'est un fresque du 15e siècle. Ça vient de l'école d'un peintre local qui a travaillé dans le nord d'Italie, Vincenzo Foppa. Et on sait par des chroniques qu'il y a eu aussi une sorte de miracle. Il y avait pas mal de fidèles ici qui priaient, c'était autour de 1518-1519, dans cette époque-là, qui priaient. Et on a vu la Vierge ouvrir les mains et ouvrir les yeux. Et l'enfant qui réagissait au geste de la mère. Là, c'est été reconnu comme une sorte de miracle, donc a encore plus agrandi la dévotion à la Vierge delle Grazie et les fidèles ont commencé à venir encore plus dans ce sanctuaire pour la prière. Une dévotion qui continue dans le diocèse de Brescia et surtout dans la ville. Et c'est un sanctuaire très fréquenté à cause de la vénération de cette image. Tout sanctuaire qui accueille des pèlerinages doit vraiment centrer le culte et la dévotion à Marie dans le Christ. Donc c'est très important que dans le pèlerinage, on puisse trouver la parole de Dieu, qu'on puisse avoir l'opportunité de célébrer le sacrement de la réconciliation, que l'Eucharistie soit vraiment le point plus haut, le sommet du pèlerinage, et aussi faire comprendre que Marie est là pour nous prendre notre main dans la sienne et nous conduire au Christ et de nous laisser guider par elle. Si on fait un tour dans la basilique, on peut voir qu'il y a ce rapprochement de l'humain avec le divin afin qu'il devienne une sorte d'unité et que l'humain puisse retrouver ses origines. Et dans la voûte, on peut voir qu'au milieu, il y a la gloire de Marie, donc la destinée de tout être humain, la destinée de tout croyant, qui a le courage de mettre son humain dans la réalité qu'est le Christ.
Marie a fait ça. Donc le pèlerin, le croyant qui entre dans cette église est porté à chercher une rencontre avec le Christ. Tout autour, il y a des autels avec des tableaux, et la plupart des tableaux représentent des saints, mais des saints toujours au pied de la Vierge Marie. Vierge Marie dans la gloire avec l'enfant Jésus, et comme si la sainteté est donnée par Marie dans son fils qu'il garde dans ses bras, à l'être humain qui est là, et donc celui qui prie et ses saints, il se sent porté d'élever encore plus le regard vers Marie qui offre, qui donne son fils et qu'il puisse devenir en nous vraiment la source de toute sainteté et nous aussi devenir toujours plus semblable à lui. On a pensé de dédier cet hôtel à Saint-Paul VI pour une question très simple. Parce que vous pouvez regarder ce tableau, c'était anciennement l'hôtel de Saint-Jérôme. Et on le voit représenté là-bas. C'est un peintre, que Paolo de Caelina, 1540, qui a fait ce tableau. Mais c'est très important parce que la partie là-haut, c'est la véritable représentation de la Vierge Marie delle Grazie. C'est une dévotion qui naît en Lombardie, donc dans notre région, au XVe siècle. Et l'image qui représentait la Vierge delle Grazie, c'est celle-là. Donc, c'est pour ça qu'on a placé ici la mémoire de Paul VI. Et on a mis comme signe de cette mémoire la relique qu'on peut voir. C'est là une des t-shirts qu'il portait quand il a subi son attentat à Manille le 27 novembre 1970. On n'a pas de relique qui vient de son corps comme on fait habituellement avec les autres saints. Mais on a ce t-shirt avec une tache de sang en souvenir de ce qu'il a subi aux Philippines. Je souligne aussi, puisqu'on est dans un sanctuaire marial, la date de l'attentat. Si Jean-Paul II a subi son attentat en place Saint-Pierre le 13 mai 81, Paul VI c'était le 27 novembre. Et le 27 novembre, c'est la fête de la médaille miraculeuse. Donc les apparitions du rue de Bach. C'est un hasard, une providence, une assistance bienveillante de la Vierge Marie à l'égard de ce pape. Si on lit des textes de Saint Paul VI sur l'Église, on découvre la passion qu'il portait pour l'Église, l'amour qu'il nourrissait pour l'Église. Et je crois aussi que ses successeurs étaient habités par cet esprit d'amour vers l'Église. S'il y a un pape marial, c'est bien le pape Jean-Paul II, ça nul ne l'ignore. Il n'a jamais pris la parole sans invoquer Marie. Jean-Paul II a eu son propre témoignage, parce qu'il vivait très profondément comme un fils de Marie. Sa devise d'évêque et ensuite de pape était « totus tus », c'est-à-dire « je suis tout entier à toi Marie, et tout ce qui m'appartient est à toi ». C'est une parole de consécration. Que cette maternité de la Vierge, cette mère de l'Église, et mère de chacun des fidèles, soit pas seulement une affirmation, mais soit une expérience vécue intérieurement. Et donc, par la consécration, je veux être dans cette relation filiale, car, et dans cette docilité, parce que la mère est à la fois celle qui aime, nous avons besoin d'être aimée, et d'être parfois consolée, mais elle est aussi celle qui éduque. Lorsqu'il écrivait ses lettres, ses manuscrits, et Dieu sait si en quelques 27 ans, je crois, de pontificat, il a énormément écrit, bien sûr. Au début de la page, à chaque lettre, à chaque texte qu'il écrivait, il commençait par Ave Maria. Deuxième page, Gratia Plena. Troisième page, Dominus Tecum. Et ainsi jusqu'à la fin de l'Ave Maria. Et puis quand il avait fini, il recommençait. Donc chaque nouvelle page qu'il écrivait, il la confiait très explicitement à la Vierge Marie. Pour lui aussi, c'était la représentation d'une réalité féminine qui lui rappelait aussi la mère qu'il a eue et qu'il a perdue et qu'il trouvait en Marie comme une réalité aussi affective et humaine et très importante. Notre pape François
a une dévotion, j'allais dire, très latino-américaine à la Vierge Marie, notamment à la Vierge Marie qui défait les nœuds. Très belle dévotion qui vient d'un tableau allemand, et que c'est de ce tableau allemand que le pape François avait porté jusqu'en Argentine cette dévotion. Quand il était évêque et qu'il venait à Rome, il allait régulièrement vénérer Notre-Dame à la basilique Sainte-Marie-Majeure. Et comme pape, c'était une de ses premières démarches. Il continue de se référer ainsi à la Vierge Marie. Le pape François a repris le titre que Paul VI a donné officiellement à la Vierge Marie. C'est aussi un signe qu'il veut mettre l'Église dans les mains de Marie. Le fait est, le lendemain de la Pentecôte, ça donne un sens théologique, je crois, assez important. On peut dire que c'est à la Pentecôte que Marie est révélée pleinement mère de l'Église. Pourquoi ? Eh bien, parce que la Pentecôte est en quelque sorte la naissance de l'Église. Bien sûr, l'Église naît au mystère pascal, le cœur de Jésus crucifié et puis ressuscité. Mais l'Église qui commence sa mission vraiment, c'est le jour de la Pentecôte. Cette Église qui existe depuis toujours dans l'Ascension de Dieu, elle est mise au monde, on peut dire, le jour de la Pentecôte, lorsque les apôtres sortent du Cénacle comme un accouchement de l'Église, et Marie est présente au Cénacle ce jour-là. Puisque les Actes des Apôtres nous révèlent que les 120 disciples étaient réunis avec Marie, la mère du Seigneur, et dans la prière, ils imploraient le don de l'Esprit Saint. Et Marie a présidé à cette naissance. Mais je dirais que c'est opportun aussi liturgiquement. Dès le lendemain du dimanche de Pentecôte, nous retournons dans le temps ordinaire. On passe du rouge de Pentecôte au vert du temps ordinaire. Or, c'est vrai que pour beaucoup de fidèles et de pasteurs, ce retour semblait un peu brutal. On retombe dans le temps ordinaire après 50 jours magnifiques de fête. Alors, il y a un petit sas marial entre la solennité magnifique et décisive de la Pentecôte et puis le temps ordinaire. Nous aurons désormais cette mémoire de Marie, mère de l'Église, qui nous permettra d'entrer, si j'ose dire, plus en douceur, avec une douceur toute mariale, dans le temps ordinaire. Notre pape François dit que le but est de retrouver le sens maternel de l'Église. Car l'Église apprend de la Vierge Marie ce qu'elle doit être. Pour que l'Église sache ce qu'elle doit être et faire, il lui faut contempler Marie. Et comme Marie, l'Église doit être mère. Alors souvent, l'Église apparaît plus à beaucoup de nos contemporains comme une marâtre que comme une véritable mère. Alors nous avons tout à gagner. Regardez Marie, pour avoir les sentiments de cœur qui conviennent à des pasteurs de cette Église maternelle. Il y a une dimension de maternité que la Vierge transmet à l'Église. Les pères de l'Église ont souvent souligné le va-et-vient. La grâce de Marie est aussi la grâce de l'Église, la grâce de l'Église est aussi la grâce mariale. Marie est la première Église, et l'Église accomplit tous les mystères qui sont de Marie. Et comme elle est Vierge par sa pureté de la foi, elle est mère par sa fécondité spirituelle. Une Église qui ne serait pas mariale serait durement masculine, comme disait Joseph Ratzinger, devenu Benoît XVI. Et en plus, une Église qui ne serait pas mariale serait une Église plus fonctionnelle que génératrice, que féconde. Il faut regarder la Vierge Marie toujours en parallèle avec l'Église. Marie intercède pour nous auprès du Christ, auprès du Père, et pour toute nécessité spirituelle surtout, de tout croyant, mais l'Église, c'est celle qui élève chaque jour une prière d'intercession pour tous les croyants et pour toute l'humanité. Le Concile Vatican II nous a bien rappelé que la place de Marie, ce n'est pas entre l'Église et Jésus, comme si on ne pouvait pas accéder directement, on a besoin de cette médiatrice, quoi. Bien sûr, elle prie pour nous, mais elle prie aussi avec nous, et c'est la première croyante. Elle est présente dans l'Église, au cœur de l'Église. Et je trouve que ça, c'est très, très beau. Marie, la première croyante, et à ce titre, elle est modèle de notre foi, elle est modèle de l'Église, elle est mère de l'Église. Comme le dit le pape Jean-Paul II, la maternité touche à la personne. C'est-à-dire que Marie est mère de la personne de son Fils, qui est le Verbe incarné. Et de même, elle est mère
de chacune de nos personnes. Elle n'est pas, on n'est pas mère de l'âme, ou mère du corps, ou mère de l'esprit. On est mère de la personne tout entière. Alors je crois que la maternité de Marie nous montre à quel point nous sommes aimés de Dieu. Marie est de toutes les fêtes, voilà, si on veut. Et c'est pourquoi elle est comme, présente comme des jalons tout au long du chemin de l'année, quoi. Elle nous rappelle, voilà, la manière de rencontrer le Christ Sauveur dans notre vie. L'année liturgique, d'abord, il faut la voir en lien très étroit avec l'histoire du salut, tout simplement. C'est une manière pour nous, les hommes, d'entrer dans l'histoire du salut, à la manière de Marie. En fait, c'est Dieu qui entrait dans son histoire à elle, et l'histoire de sa vie est devenue une histoire du salut, une histoire sainte. Et l'année liturgique, par conséquent, a cette dimension sacramentelle, une manière, je dirais, d'actualiser le mystère du salut. Ici, aujourd'hui, là où je suis. Et Marie nous aide à le faire, parce que nous voulons le faire à sa manière. C'est un signe des temps, d'ailleurs, c'est un lieu théologique. Le fait que des fidèles, depuis le premier jour jusqu'à aujourd'hui, eh bien, prient avec beaucoup de confiance la Vierge Marie, se tournent assez spontanément vers Marie. Cette spontanéité, ce sens des fidèles, ce sensus fidelium, dit quelque chose au point de vue théologique. Marie est forcément présente dans la liturgie puisqu'elle est présente dans la vie de Jésus lui-même. Elle est engagée dans la mission de Jésus en premier lieu, depuis l'Annonciation. Donc forcément, quand on parle de la présence de Marie dans la liturgie, elle est partout où on rencontre Jésus. Et lui, il est au centre, forcément. Et dans l'année liturgique, il y a même deux cycles, en quelque sorte. Parce qu'il y a un premier cycle fondamental qui sont les fêtes du Seigneur, c'est-à-dire qui vont précisément de l'Annonciation à la Résurrection et à l'Ascension et à la Pentecôte. Et tout ça se déroule chronologiquement au cours de l'année liturgique, à partir de l'automne jusqu'à l'été. Et là, on peut souligner en effet que Marie est présente chaque fois dans les temps forts. On a ces deux grands blocs de temps forts, le temps pascal avec la préparation qui se fait pendant le carême, et le temps de la nativité, du mystère de l'incarnation, avec sa préparation par le temps de l'Avent qui ouvre chaque année liturgique. Le huitième chapitre de Lumen Gentium, c'est Marie dans le mystère du Christ et de l'Église, parce qu'elle est la mère de Dieu, et que, évidemment, l'incarnation demeurera toujours pour nous le mystère des mystères. Et Marie est évidemment au cœur de ce mystère-là. Il y a une intention de Saint Jean dans son évangile, qui met un premier signe avec Marie au chapitre 2, l'évangile de Cana, en effet, où il est question de l'heure de Jésus qui n'est pas encore arrivée. Et on va retrouver Marie au chapitre 19. C'est ce qu'on appelle une inclusion, c'est-à-dire qu'elle est au début et elle est à la fin. Ça veut dire, en clair, en littérature, et qu'elle est là du début à la fin. Et à la fin, c'est l'accomplissement de l'heure. Et Marie est auprès de la croix, elle n'est pas ailleurs, elle est là, c'est sa place. Elle est peut-être la plus proche du crucifié en train de sauver le monde, et il ne sauve pas le monde sans la coopération de sa mère, qui offre son fils, tandis que le fils s'offre au père. Donc Marie est présente à l'intérieur même du mystère chrétien déployé dans la liturgie. Et en plus de ce cycle liturgique, il y a une sorte de cycle des fêtes, et c'est là qu'on va trouver
la fête de la Visitation, la fête de la naissance de la Vierge le 8 septembre, la fête de l'Immaculée Conception le 8 décembre, l'Assomption. Et ça, ce sont les fêtes de la Vierge. Et donc Marie est d'une certaine manière deux fois présente dans le cycle liturgique. Une fois dans ce qu'on appelle le temporal et une fois dans le sanctoral. Il y a les fêtes qui sont liées davantage à la dévotion, Notre-Dame du Rosaire. Donc l'origine de ces fêtes, ce n'est pas forcément l'histoire du salut, mais l'histoire, je dirais, humaine parfois, qui a créé un attachement à Marie, qui dévoile autre chose. Ça, c'est intéressant, la Notre-Dame du Rosaire. C'est une fête, en fait, qui n'est pas ancrée directement dans les mystères du salut, dans l'histoire du salut. Elle est liée à un événement historique bien concret. C'est une victoire en 1571 à Lépante sur l'envahisseur ottoman. Et comme le pape Pie V appelait les chrétiens à prier le rosaire pour la victoire, une fois la victoire acquise, il a décidé de fêter le jour de la victoire, qu'on appelait d'abord la fête de la Sainte Victoire, puis du Saint Rosaire, et finalement, je crois, Jean XXIII appelait cette fête Notre-Dame du Rosaire. C'est d'un côté la commémoration d'une victoire, disons, voilà, d'une prière exaucée, mais en même temps, ça nous conduit quand même au mystère du salut. Les litanies de la Vierge Marie sont interminables. Il y en a plusieurs versions. Il y a beaucoup de vocables, beaucoup d'invocations, parfois très poétiques, parfois très bibliques aussi. Mais en premier, ou en tout cas au centre, au cœur du mystère de Marie et de la prière à Marie, je mettrai bien sûr Marie, mère de Dieu, parce que tous ces autres privilèges, entre guillemets, et tous ces charismes qu'elle met en œuvre, sont ordonnés à cette mission essentielle qui est la sienne, de donner Dieu aux hommes. Le 1er janvier, nous célébrons la fête de Marie, Mère de Dieu. C'est pratiquement la fête la plus ancienne. C'est le concile d'Éphèse en 431 qui a tranché, qui a dit Marie est Mère de Dieu. J'ai cité Marthe Robin, quand le père Manteau Bonamy lui dit « Quel est le plus grand titre de Marie ?» Mère de Dieu ou Immaculée Conception. Mais elle dit, l'Immaculée Conception, c'est pour être Mère de Dieu. C'est la finalité, c'est le cœur de son mystère. C'est la grandeur. C'est, entre guillemets, c'est son charisme. J'aime bien ouvrir le missel de messes qui rassemblent les messes en l'honneur de la Vierge Marie. Pour le temps de l'Avent, le temps de Carême, le temps de Pâques, il y a des dizaines de célébrations liturgiques qui sont proposées sous des angles très, très différents. Nous avons ce temps de l'Avent, l'Avent qui veut dire la venue, donc le temps de préparation à la venue du Sauveur. En fait, c'est le quatre dimanches, les semaines qui suivent, avant Noël, qui ouvre l'année liturgique. Le quatrième dimanche de l'Avent est toujours un évangile marial, c'est l'Annonciation ou la Visitation, ou l'annonce à Joseph de la maternité virginale de son épouse. L'Église a toujours veillé à inviter les fidèles à se préparer aux grandes fêtes. Donc, si vous voulez, de la même manière qu'en carême, il y a ces 40 jours qui préparent à Pâques, de la manière, l'Avent nous prépare à l'accueil du mystère de l'incarnation. C'est aussi une période d'intériorité particulière où le croyant essaie de s'accorder à l'événement silencieux qui va arriver. Donc c'est aussi un temps de purification. On arrive à ces mystères auxquels nous nous préparons, le mystère de l'incarnation, le mystère de la nativité. Dieu se fait homme.
Et ce temps aussi, comme il est important, il se prolonge jusqu'à la fête du baptême de Jésus. Après, nous passons au temps ordinaire. Voilà, comme dans la vie, les fêtes sont passées, la vie continue, le chemin continue. Nous arrivons avec Jésus au sommet de sa mission, au mystère pascal. Le mystère pascal, c'est quand même la clé pour comprendre toute l'année liturgique. Elle est, par sa présence, impliquée dans le mystère pascal. Et au sommet, nous la trouvons où ? Fidèle au pied de la croix. Elle est mère de Jésus, elle est mère de Dieu, elle devient aussi notre mère. Ah non, cette Pâque qui se prolonge par le temps pascal, 50 jours jusqu'à Pentecôte. La semaine sainte, on retrouve Marie le vendredi saint. Et ensuite, pour la Pentecôte, on retrouve Marie avec les apôtres au Cénacle, dans l'attente de l'Esprit Saint. Chaque fête liturgique a ces trois dimensions un peu. Nous faisons mémoire de ce qui s'est passé, de ce qui est arrivé dans l'histoire, mais aussi, et c'est très important, rendre présent les mystères. Donc, quand nous parlons de l'Annonciation, par exemple, c'est vivre cette Annonciation avec Marie, aujourd'hui, et maintenant accueillir cette parole aujourd'hui. Accueille le Christ aujourd'hui dans la liturgie. Et troisième dimension qu'on peut appeler la prophétie, donc, c'est nous annonçons voilà, l'accomplissement parfait de ces mystères que nous vivons à la fin des temps. Quoi. Donc nous sommes en chemin. Mais ce qui compte dans la célébration liturgique le plus, forcément, c'est cette actualisation, ici et maintenant. Souvent, je m'arrête justement sur le mystère de l'Annonciation avec les jeunes. Et si Marie est proche, si elle peut nous apprendre quelque chose dans notre vie de foi, dans notre cheminement de foi, c'est justement si nous arrivons à la regarder proche de nous, voilà, comme cet être humain. Elle porte souvent les mêmes questions, on s'inquiète aussi, et comment croire, comment répondre, comment écouter. Certainement, au début de son chemin, le jour de l'Annonciation, elle avait beaucoup plus de questions que de réponses. Vierge Marie est ainsi tout à fait imitable pour nous. Et il faut rappeler ce que disaient déjà les pères de l'Église. Ce qui rend Marie heureuse, c'est la foi. Marie, dit saint Augustin, est plus heureuse de percevoir la foi du Christ que de concevoir la chair du Christ. C'est une parole très forte, reprise d'ailleurs dans le catéchisme de l'Église catholique. Voilà. Donc Marie est plus heureuse d'écouter la parole de Dieu, d'être obéissante dans la foi, que d'être la mère du Messie. L'Annonciation est le commencement absolu de l'Évangile. Et il se passe sous le cœur de Marie. Et ça, c'est intéressant parce qu'on va retrouver ça dans d'autres étapes. C'est que les fêtes du Christ sont en même temps des fêtes de Marie. Et nous disons la fête de l'Annonciation, c'est-à-dire l'annonce de l'ange Gabriel qui s'adresse à Marie de la part du Seigneur, mais plus fondamentalement, c'est le mystère de l'Incarnation. C'est la fête du Christ entrant dans le monde. « Me voici, Père, pour faire ta volonté. » Dieu s'est abaissé en devenant homme. Il a pris la condition d'homme. Et voilà, ça commence à se réaliser au moment où Marie dit oui à l'appel de Dieu, où elle accepte d'accueillir Jésus dans sa vie. On doit s'interroger sur la valeur de notre humanité, puisque si Dieu a choisi, dans sa liberté souveraine, de s'incarner, c'est que notre humanité a une valeur inouïe. Le fait d'être humain, d'avoir reçu ce don de l'humanité, est une grandeur en soi. Et ça, le Christ nous le rappelle à travers son incarnation. C'est la grande méditation de saint Bernard, qui contemple en fait l'univers entier en attente, en suspense, on dirait aujourd'hui, de ce moment de grâce, de ce moment où le salut commence.
et qui est suspendue à cette adhésion de la Vierge à l'appel de Dieu. Et tout l'univers et les plus géniaux des êtres humains ne peuvent pas créer ce mouvement, créer cet événement du salut du monde. Ils ne peuvent que l'attendre. Ce salut est en effet suspendu au consentement de la Mère de Dieu. Je suis la servante, c'est ça qu'elle dit. Ce fiat qui est absolument admirable et que les pères et les docteurs de l'Église vont jusqu'à comparer à l'autre fiat, puisque finalement, il y a le fiat de la création. Le Père créateur dit « fiat lux », que la lumière soit, et la lumière fut, au matin du monde. Et puis il y a le fiat de Marie, qui est le fiat de la recréation en Jésus-Christ. Et les pères de l'Église vont jusqu'à dire que le fiat de Marie est plus puissant en ses effets que le fiat de Dieu au matin du monde, car le fiat du Créateur a fait surgir la créature, et le fiat de la créature a fait surgir le Créateur. On lit très souvent dans la liturgie le texte de l'Annonciation, en Saint-Luc, ça se termine, vous savez, par ces quelques mots, « Alors l'ange la quitta ». L'ange a pour mission de disparaître, plus que d'apparaître. S'il nous aide à être à l'écoute du Seigneur, l'ange n'est vraiment que le messager. D'ailleurs, les pères de l'Église expliquent bien que c'est le vrai nom de l'ange, c'est l'esprit. Il est esprit, c'est une créature qui est pur esprit. Et quand on le dit ange, on le dit dans sa mission, dans sa fonction. C'est l'annonciateur. Et l'annonciateur s'efface devant l'annonciation, devant le message. Les anges, c'est le ciel et la terre qui, à ce moment-là, font alliance. Et cela nous dit aussi que l'Église du ciel, l'Église triomphante, et l'Église de la terre, l'Église encore en chemin, eh bien les deux, dans la célébration du mystère, se rencontrent. Il nous est rappelé que nous sommes citoyens, comme dira saint Paul, nous sommes citoyens du ciel, et que nous sommes associés à la liturgie céleste. Dans la liturgie, je trouve que cette annonce est encore plus forte et plus solennelle. Ce n'est pas seulement la parole que nous lisons, un passage de l'Évangile. Nous célébrons cela, nous actualisons. C'est le commencement de l'Église, parce que Marie, c'est l'Église. C'est l'Église commençante. C'est l'Église en sa source, comme dit un très beau livre de Urs von Balthasar et Joseph Ratzinger. Le peuple d'Israël converge dans la foi de Marie, et la foi de Marie est le point de départ de la foi de l'Église. Le mois de mai, le mois de Marie, ça relève de la dévotion populaire. Le mois de mai, c'est le mois peut-être le plus beau. C'est la vie qui se réveille vraiment. On est en parfaite harmonie avec la beauté de la nature à ce moment-là. Et c'est le temps d'espérance aussi. Pour exprimer peut-être cette beauté de l'humanité qui se reflète dans Marie, il y avait comme un sens de la foi chez les chrétiens, de lui consacrer beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'attention pendant le mois de mai. Et finalement, par cette piété populaire, beaucoup de chrétiens se rassemblent chaque jour même pour prier Marie, pour chanter les litanies, pour prier le rosaire. Donc il y a côté liturgique dans tout cela, parce qu'il y a les fêtes liturgiques, comme la visitation, le 30 mai. Mais aussi, il y a ce côté très populaire, de la dévotion populaire, où on manifeste son attachement à Marie. La visitation, voilà Marie qui est enceinte, qui attend la naissance de Jésus et qui va voir sa cousine Élisabeth pour partager cette grande nouvelle au moment où Élisabeth elle-même attend la naissance de Jean-Baptiste. Bienheureuse es-tu, dit Élisabeth à la mère du Sauveur. Hein. Et donc Marie reconnaît en fait
la grâce dont elle a fait le choix de façon tout à fait imméritée, par définition, et donc elle chante le Magnificat. Bien, je crois que le chant de Marie, il est le chant de tous les humbles qui ont suivi. Hein. Il exalte les humbles et il abaisse les puissants. Elle court sur les hauteurs, hein. Elle marche dans les hauteurs parce qu'elle porte le ciel, évidemment. Et elle est remplie de l'allégresse de son Magnificat. Et j'aime toujours à souligner que lorsque Marie arrive visiter sa cousine Élisabeth, elle vient pour la servir, elle est sans doute harassée par la longueur du chemin, mais son premier réflexe n'est pas de se reposer, mais de chanter la louange de Dieu. Et j'aime bien dire à mes fidèles, n'attendez pas d'être en retraite ou dans un oratoire capitonné et douillet ou en vacances, dans une retraite chez les bons pères, pour louer Dieu. Louez-le au sein de vos activités quotidiennes, dans la fatigue, le labeur, l'abattement des jours. C'est à ce moment-là qu'il faut louer Dieu. Et on peut voir cela déjà comme une fête missionnaire, en quelque sorte, parce que Marie, dès le début, elle comprend bien sa mission. Elle a certainement ce sens de la foi. Voilà, elle porte Jésus dans son cœur, elle porte réellement, elle partage la nouvelle. Elle, dès le début, aussi dans la visitation, elle est modèle de notre foi. Le jour de l'Assomption, que nous fêtons le 15 août, une fête qui tombe pendant les vacances, qui rassemble beaucoup de monde, forcément c'est une des plus belles, des plus grandes fêtes de Marie. C'est à la fois la gloire, bien sûr, mais aussi tout le thème de la matière. Pie XII donne comme une motivation de ce dogme, parce qu'après tout, tout le monde croyait à l'Assomption bien avant 1950. Les religieuses de l'Assomption existaient, beaucoup d'églises étaient consacrées à l'Assomption, beaucoup d'ordres religieux étaient consacrés à l'Assomption. On fêtait l'Assomption de la Vierge Marie le 15 août depuis des siècles. Et pourquoi tout d'un coup en faire un dogme, alors que personne ne niait cette vérité? Eh bien, Pie XII dit, c'est pour réjouir le genre humain. Nous sommes en 1950, très peu de temps après la guerre. On peut dire que l'Europe est un champ de ruines. Eh bien, Pie XII a voulu, en quelque sorte, soulever un peu le voile pour qu'un rayon de douceur mariale pénètre ce triste monde. Pour exprimer le mieux, peut-être, le sens de cette fête, moi, j'aime bien regarder le langage de nos frères et sœurs chrétiens d'Orient, qui ne parlent pas de l'Assomption tellement, mais de la Dormition. La fin de Marie, c'est voilà, c'est pas la mort, c'est pas quelque chose de spectaculaire, elle monte au ciel, non, elle s'endort. Elle a un passage très doux vers l'éternité. C'est aussi, voilà, comme une promesse pour nous, si vous suivez le chemin de la foi de Marie, voilà ce qui nous attend. Quand nous contemplons Marie dans son Assomption, dans sa gloire, eh bien, tous les cœurs chrétiens se réjouissent. Et c'est pourquoi la fête du 15 août, d'ailleurs, est souvent si joyeuse, non seulement parce que c'est les vacances, c'est l'été, mais aussi parce qu'il y a une douceur mariale de cette fête du 15 août. Qui a pris pour toi la parole assurée, tu es sa résonance et tu franchis. Dans la liturgie orientale, on appelle Marie la porte du ciel. C'est-à-dire que la grâce va passer par elle, mais dans les deux sens. Bien sûr, on vient de le dire pour l'Annonciation, elle est l'humanité qui reçoit le Verbe de Dieu et le Sauveur, mais par elle, nous avons aussi accès au Christ. Nous passons par elle pour accueillir le Seigneur. Depuis Jean-Paul II, en tout cas, je crois qu'on est passé d'une théologie de la médiation où on va à Jésus par Marie, à une théologie de la marche, si je puis dire, du pèlerinage. Nous n'allons plus à Jésus par Marie, nous allons à Jésus avec. C'est plus Per Mariam, c'est Cum Maria. On a beaucoup plus pris en compte le fait que Marie était de notre côté. Ça se ressent jusque dans les chants qu'on chante maintenant dans la liturgie, ces chants qui sont d'une qualité musicale contestable d'ailleurs, mais « Marche avec nous, Marie » ou « La première en chemin ». Son chemin vers Dieu, il est son chemin vers Dieu.
joyeuse, tu t'élances, prophète de celui qui a pris corps en toi. Marie marche avec nous. Elle n'est pas simplement quelque part flottant entre le ciel et la terre, hein, comme un aqueduc ou comme un intermédiaire ou comme un passage ou comme un couloir. Elle est maintenant de notre côté, elle nous prend par la main et elle marche avec nous pour accomplir le pèlerinage dans la foi que chacun d'entre nous doit accomplir. Marie est souvent présentée avec l'enfant Jésus sur un bras et l'autre bras qui montre l'enfant. Elle montre le chemin. Je suis le chemin, la vérité, la vie, et Marie est celle qui montre le chemin. Elle nous conduit toujours à Jésus. Donc voilà, la meilleure façon d'honorer Marie, c'est de prendre son exemple et avec elle, aller au Christ, aller à sa rencontre. Tu es sa résonance et tu franchis les mondes.